un nouveau que tout se passe autour de vous, tout ce qui se passe devant vous, vous allez marcher plus haut, plus élevé, plus grand, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci aujourd'hui, nous te louons, quelle joie de nous retrouver en ta présence. Et nous savons, comme nous nous plongeons plus profondément dans ta parole, notre joie va croître au nom de Jésus. Prends toutes les vies, chacun de nous, toutes les familles et toute l'Église, et que tu nous amènes plus haut dans les choses de Dieu au nom de Jésus. Montre-nous de plus grandes choses, de plus profondes vérités et de plus grandes bénédictions dans ta parole, même en ce jour au nom de Jésus. Fais que nous ne soyons pas juste des écouteurs de la parole, mais des possesseurs des bénédictions de Dieu au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donnez-moi un très bon amen. Nous venons dans 2 Jean. 2 Jean a seulement un chapitre. Et nous sommes en train de considérer le verset 4. Nous considérons tout le chapitre en particulier, mais nous allons essayer de souligner le verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Pensez à vous-même, en tant que père, en tant qu'une mère, en tant que parent. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que le parent peut dire, je me réjouis grandement que j'ai trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, sauvés par la vérité, sanctifiés par la vérité, rendus puissants par la vérité, soutenus par la vérité, courageux par la vérité, ayant la conviction de la vérité. Et l'apôtre, à cause de vous, à cause de ta famille, il dit que je me réjouis, non seulement avec modération, mais je me réjouis grandement que je retrouve tes enfants marcher dans la vérité. La vérité comme nous l'avons reçue, et le commandement selon ce que nous avons reçu des pères. Vous considérez votre vie et vous regardez en tant qu'enfant de Dieu, en tant que converti, en tant que croyant, et il regarde à vos parents spirituels qui vous ont amené dans la foi, qui vous ont amené dans le Seigneur, et qui dit, il va dire à votre pasteur et à votre papa spirituel, à votre père spirituel, à votre mère spirituelle, je me réjouis grandement, j'ai été fort réjoui que je retrouve tes convertis, de tes enfants, des enfants spirituels bien sûr, je les ai trouvés marchant dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Il est en train de rechercher les planteurs, les bâtisseurs d'église, les évangélistes qui sortent pour aller ici et là, et qu'ils implantent des églises ainsi par-ci, par-ci, par-là. Et l'apôtre Paul, ou bien l'apôtre est en train de tourner, en train de superviser. Et l'apôtre dit qu'il est en train de suivre la vie de ceux-là qui sont des convertis et ceux qui sont dans les nouvelles églises, les églises qui sont implantées nouvellement. Et il est en train d'adresser la parole à ce planteur d'église, ce bâtisseur d'église. Et il est en train de lui dire, je me réjouis, ou j'ai été fort réjoui. Ce n'est pas que je me réjouis de façon modérée, mais je me réjouis fortement que j'ai trouvé tes enfants, ceux-là dans les églises que tu as implantées, et ceux-là que tu es en train de diriger en tant que berger, ils marchent dans la vérité. Ils marchent, non pas qu'ils sont en train de marcher dans la vérité sélective, mais il y a des gens qui sélectionnent la vérité dans laquelle ils vont marcher.
Ils disent, j'accepte ceci, je rejette l'autre, je crois en ceci, je doute de l'autre, j'embrasse ceci, mais je détruis l'autre. Mais maintenant, l'apôtre est en train de dire, comme je considère tes enfants, comme je considère tes convertis, comme je considère les églises qui ont ton nom comme le bâtisseur de cette église, je me suis fortement réjoui que je retrouve des enfants, que je retrouve des convertis, aimant la vérité, acceptant la vérité, croyant la vérité, s'engageant dans la vérité et faisant que leur vie soit en ligne avec la vérité. Et croyant non seulement la partie de la vérité, mais la totalité de la vérité qui leur a été révélée. Comme nous aussi nous avions reçu ce commandement de la part du Père. Le Seigneur est en train de vous rechercher, comme vous soyez un de ses enfants, comme vous soyez un de ses convertis, comme un de ses membres de cette église. Est-ce que ceux qui surveillent vos vies, ceux qui vous observent, observent vos comportements, est-ce qu'ils peuvent voir le modèle de votre conduite? Est-ce qu'ils peuvent dire, après que tout a été dit et fait, nous ne sommes pas membres de cette église, hein, mais nous avions interagi avec leurs membres. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons dire à propos des enfants, des hommes, des femmes, des garçons, ce que nous pouvons dire à propos de leurs convertis, ceux-là qui ont accepté, qui sont en accord avec cette église, et ceux qui sont les membres de cette église, et ceux qui sont engagés, des adorateurs engagés de cette église, et ceux-là qui, est-ce qu'ils peuvent dire que nous nous réjouissons fortement que nous avons trouvé, que leurs convertis, que leurs enfants, que leurs leaders, que les gens qui se sont associés avec eux, marchant dans toute la vérité de l'Écriture, la totalité, l'entièreté, la totalité, la complète vérité qui transforme la vie, la vérité qui vous arrive et la vérité qui vous transforme et qui totalement purifie l'homme intérieur. J'ai retrouvé de tes enfants qu'ils marchent dans la vérité, exactement comme nous avons reçu le commandement de la part du Père. Ils ne modifient pas, ils n'interprètent pas mal, ils ne citent pas mal, ils ne changent pas et ils ne font rien avec la vérité à moins de la recevoir telle qu'elle leur a été adressée ou donnée. Comme nous l'avons reçu, le commandement de la part du Père. Jean le bien-aimé, le plus jeune des apôtres, des 12 apôtres, il est le plus jeune et le plus âgé, c'est-à-dire le dernier à mourir de tous les apôtres après que tout le reste est mort par la mort d'un autre, c'est-à-dire ont été tués. Il est mort lui-même, il est mort d'une mort naturelle. Et il a vu le commencement de la chrétienté. Il a vu l'œuvre de Jésus-Christ pendant que Jésus était sur la terre et faisait le ministère et implantait la chrétienté et projetait sa vie dans la vie des gens. Il a vu Jésus mourir, il a vu Jésus enseveli, il a vu Jésus qui est sorti de la tombe. Il a vu Jésus qui a interagi avec eux. Pendant les 40 jours après sa résurrection, il a vu Jésus ascendre vers le ciel. Et maintenant, à 90 ans, il est très âgé, 90 ans. Il regarde maintenant à ce que Dieu nous a donné. Il regarde à toute la vérité sanctificatrice, la vérité salvatrice, la vérité qui donne la puissance, la vérité qui nous fait quitter le ciel pour la terre pour le ciel. Et il regarde à ses enfants, à ses convertis, les convertis de cette église que nous devons, il peut dire maintenant, j'ai une seule joie. Je regarde à votre vie, je regarde à la vie de ceux que tu as comme enfant et je compare votre conduite, je compare votre consécration avec ce que nous avons reçu depuis le début de la part du Père au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un seul commentaire que je peux faire.
Je me réjouis fortement que je trouve tes enfants marchant constamment. Ils marchent constamment. Ils marchent avec consistance. Ils marchent, pas qu'ils ont marché, mais ils marchent. Ils marchent avec courage. Ils marchent avec une vie sans compromission dans la vérité, exactement comme nous avions reçu le commandement de la part du Père. Je vous parle ce matin de ce titre. Marcher dans toute la vérité jusqu'à la fin. Marcher dans toute la vérité jusqu'à la fin. Marcher dans toute la vérité. Ce n'est pas la vérité partielle. Ce n'est pas la vérité à moitié. Ce n'est pas la vérité qu'on choisit soi-même, mais la totalité de la vérité. La totalité de la vérité jusqu'à la fin. Je considère un proverbe. Je considère Proverbe 23, verset 23. Proverbe 23, le verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Acquiert, achète la vérité et ne la vend pas. Il y a des fois, dans la vie des gens, qu'ils aient des dettes et qu'ils ne soient pas en mesure de garder leur famille. Que toutes les choses qu'ils ont dans la maison, ils vont commencer par considérer ces choses une à une. Laquelle de ces choses on peut vendre afin de pouvoir garder l'âme et le corps ensemble, afin de pouvoir payer ce que nous devons payer comme dette. Ils vont vendre ceci, ils vont vendre l'autre, ils vont vendre l'autre à moi là-bas, ils vont vendre ce qui là-bas. Dieu dit, quel que soit ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, quel que soit ce qui se produit, quel que soit ce qui ne se produit pas, quel que soit ce qu'est l'économie, quelle que soit la nature, la situation autour de vous, il y a une seule chose que vous n'allez jamais vendre, quel que soit le cas. Bien que vous pouvez vendre les choses matérielles, mais il y a cette vérité, la vérité salvatrice, la vérité sanctificatrice, et la vérité qui donne la puissance, la vérité qui nous amène du ciel vers de la terre au ciel. Cette vérité, vous pouvez vendre toute autre chose dans la maison, toute autre chose comme propriété, toute autre chose dans votre même dans votre communauté. Acquiert la vérité, mais ne la vend jamais. La sagesse, l'instruction et l'intelligence, acquiert-les également. Ça, c'est la vérité que l'on doit acheter, et c'est la vérité qu'on doit transférer à nos enfants. Et c'est cette vérité que lorsque vous l'achetez, et vous devez vivre dans cette vérité, vous devez marcher dans cette vérité, et vos enfants vont grandir. Ils sont en train de grandir et ils vont quitter l'enfance pour leur vie de jeune âge, et ils vont aller dans leur adulte, l'âge adulte. Ils peuvent témoigner, dire que maman est sauvée, maman est sanctifiée, papa est sauvé, papa est sanctifié, et maman et papa ont gardé la vérité, et ils ont acheté la vérité, ils nous ont transféré cette vérité, et ils ont gardé cette vérité, ils ne l'ont pas vendue. Et si il apparaît que vous êtes en train de partir, vos enfants peuvent dire: il y a une seule chose à propos de papa et de maman. Il y a une seule chose à propos de nos parents. Jusqu'à leur dernier souffle. Ils ont marché dans la vérité. Ils ont nourri la vérité. Ils ont vécu par la vérité. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Marcher dans toute la vérité jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 25. Apocalypse 2, le verset 25. Seulement ce que vous avez, qu'est-ce que nous avons? Comme nous sommes venus à adorer avec nous dans cette église, vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés. Vous avez des maris, vous avez des femmes, vous avez des enfants, vous avez un travail, vous avez une profession. Vous étiez venu au moment où vous étiez jeune. Maintenant, vous êtes là jusqu'à cet âge. Le Seigneur est en train de vous dire que vous avez quelque chose déjà. S'il y a quelque chose que vous avez depuis que vous êtes venu, c'est la vérité de l'Écriture. Nous ne donnons pas quelqu'un,
à quelqu'un quelque chose que nous avons pris de quelque part. Mais nous, nous vous donnons toute la vérité. Et le Seigneur est en train de dire que cette vérité que vous avez reçue déjà, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de point de marcher dans la lumière quelques jours après retourner dans les ténèbres. Il n'y a pas de raison de marcher dans la vérité pour 2 ans et retourner dans la méchanceté, dans la fausseté. Il n'y a pas de raison de marcher dans l'amour de Dieu et après cela, quelques années après, vous retournez encore dans la méchanceté, dans l'amertume. Non, il dit que celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin et qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Je prie que vous soyez un participant à cela. Je prie que vous soyez un possesseur de cette étoile qui va vous récompenser au dernier jour. Et si vous continuez dans la vérité jusqu'à la fin, si vous embrassez la vérité jusqu'à la fin, si vous appréciez la vérité jusqu'à la fin, si vous marchez dans la vérité jusqu'à la fin, et moi je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai des oreilles pour entendre. Je dis j'ai des oreilles pour entendre. Je vais entendre la vérité et je vais bâtir cette vérité au nom de Jésus. Et que toute l'église me dise, marchez dans toute la vérité jusqu'à la fin. Nous considérons 3 sous-titres dans le message. Numéro 1, ressusciter des enfants pieux marchant dans la vérité. Susciter des enfants pieux marchant dans la vérité. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous savez ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez? Vous pouvez ne pas avoir de l'argent pour les envoyer ici et là. Vous pouvez ne pas avoir tout ce qu'ils peuvent dire que les enfants, les parents doivent donner aux enfants. Mais il y a une chose que vous ne devez pas manquer de leur donner. Vos enfants biologiques, ils sont des enfants, ils sont de petits garçons ou de petites filles, ils vont devenir des adolescents, ils vont devenir de jeunes, ils vont aller à l'université, ils même peuvent aller à l'étranger et revenir. Vos enfants, ce sont vos enfants. Maintenant, ils sont en train de travailler, ils ont fait leur service militaire. Vos enfants sont vos enfants. Il n'y a pas de moment que vous allez fermer vos yeux sur vos enfants. Et ils vont devenir tellement vieux, ils vont devenir tellement désobéissants que vous ne pouvez plus leur parler, vous ne pouvez plus les enseigner. Cela vous engage que vous devez les susciter, les former pour qu'ils soient des enfants pieux qui marchent dans la vérité. Numéro 2, maintenir notre conviction gracieuse pour la parole de la vérité. Pendant que nous autres, nous sommes des adultes déjà, pendant que nous autres, parents, pères et mères, nous marchons et vivons, nous avons nos défis, nous avons nos persécutions, nous avons des souffrances, nous avons, quelle que soit la chose, au milieu de tout ce que nous traversons, tout ce qui peut arriver, ce qui ne peut arriver, ce que nous perdons comme chose matérielle dans le monde, il y a une chose que nous ne devons jamais abandonner. C'est la conviction que vous avez, la gracieuse conviction dans la parole de la vérité. Maintenez cela, tenez pour cela. Ne jamais permettre à quoi que ce soit, la persécution ou la souffrance, de vous arracher cette conviction que vous avez dans la parole de la vérité. Point numéro 2, c'est maintenir notre gracieuse conviction pour la parole de la vérité. Et numéro 3, recouvrir, c'est-à-dire ramener, courir après
et retirant les autres de la corruption, recouvrir les compromettants coupables qui s'égarent loin de la vérité. Il y a des gens qui sont en train de partir loin de la vérité. Ils sont en train de poursuivre les choses de la vie et ils sont partis. Mais nous continuons d'être leurs parents biologiques ou leurs parents spirituels. Nous devons les poursuivre pour les ramener, les recouvrir, les ramener. Ils sont partis par les choses matérielles de la vie. Ils sont partis, ils ont erré loin de la vérité. Point numéro 3, c'est recouvrir ou ramener les compromettants coupables errant loin de la vérité. Point numéro 1, qu'est-ce que nous avions dit? Point numéro 1, frères et sœurs, susciter des enfants pieux marchant dans la vérité. Regardez, 1 Jean encore, j'allais dire 2 Jean plutôt, 2 Jean, 2 Jean, 2 Jean verset 4. Je me réjouis, ou j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Vous savez que Jean, le bien-aimé, était en train d'écrire à l'ancien, à une mère, et il n'a pas mentionné la maman ici, le papa ici, et pour que les commentateurs disent que la femme peut être une veuve, mais une mère, c'est-à-dire un seul parent pour les enfants, qui a des enfants sans un mari et qui a suscité, qui a tout fait pour que les enfants demeurent dans la vérité. C'est ce qu'il voudrait que nous fassions. Il voudrait que nous formions nos enfants, que nous éduquions nos enfants. Il ne voudrait pas que nous abandonnions nos enfants aux écoles. Les écoles vont apprendre, leur enseigner la connaissance académique, mais ne peuvent pas réussir la connaissance spirituelle. Les écoles peuvent donner des diplômes à nos enfants, mais ne peuvent pas leur donner la conviction et la conversion. C'est la vérité qui va les préparer pour les choses de... Ils peuvent les préparer pour les choses de la terre, les professions de la terre, pour avoir un travail sur la terre et mettre la nourriture dans leur bouche. Mais ne peut pas leur donner la foi qui va les conduire au ciel. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire, que c'est votre responsabilité de susciter, de former, de tout faire pour que vos enfants aient le salut. Et si les autres sont en train de vous aider, comme nos ouvriers dans l'église, dans la session des études, des étudiants ou des jeunes, ils sont en train de vous aider. Mais c'est votre responsabilité de les susciter, de les former, de les éduquer dans la connaissance de la vérité qui les amène au salut. Regardez dans Romains 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, le verset 6. Il nous dit au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Comment faites-vous cela? Il faut leur lire la Bible. Il faut démontrer la Bible. Il faut les corriger lorsqu'ils sont en train d'errer. Et vous êtes aimable, hein? Vous êtes aimable et vous les recevez, vous êtes associé à eux, vous êtes vraiment sociable avec eux, vous les aimez et vous faites tout, que tout ce qu'ils ont, quelle que soit la connaissance qu'ils ont, la chose numéro une qu'ils doivent avoir, l'expérience numéro une, c'est d'avoir le salut, être né de nouveau, recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel après qu'ils se sont détournés de leur péché. Vous devez les amener dans le discipulat et les enseigner, les former sur la voie qu'ils doivent suivre. Vous devez connaître la voie qu'ils doivent suivre. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils se comportent? Comment est-ce qu'ils prient? Comment ils peuvent apprendre de la Bible? Et comment vivre, mener une vie lorsque vous n'êtes pas présent ou que vous êtes présent? Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Beaucoup de personnes ont dit, beaucoup de parents ont dit, nos enfants, lorsqu'ils sont en train de grandir maintenant, nous avons évolué, élevé dans le Seigneur, nous les avons enseignés dans la voie du Seigneur, mais maintenant ils sont allés à l'école, maintenant ils sont allés à l'université, maintenant ils sont allés à l'étranger, et ils sont devenus
d'autres personnes. Ça, ce n'est pas mon enfant que j'ai l'habitude de connaître. Vous ne l'avez pas formé, vous ne l'avez pas enseigné. Les gens dans ce monde les forment pour aller après le monde, plus que vous ne les formez. Et ces enfants ont trouvé les gens mondains, ils ont trouvé les gens de mondains plus convaincants que vous êtes. Et vous ne les avez pas formés dans la parole. Je prie que s'ils sont partis dans le monde, ils vont revenir dans le Seigneur au nom de Jésus. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Faites de cela votre travail à plein temps. Faites de cela le travail qui est plus important que votre travail séculier. Faites de cela le travail qui est plus important que tout ce que vous poursuivez. Si votre enfant est sauvé, correctement sauvé, comment est-ce que vous prenez soin de cet enfant? Et l'enfant a besoin de tout votre argent. Vous prenez la soin de cet enfant, vous traitez cet enfant et vous faites tout l'effort pour que l'enfant qui est malade soit en bonne santé. Le salut est plus grand que la santé physique. Hein? La conversion est plus grande que toutes ces autres choses pour lesquelles vous passez votre temps, votre argent, vos efforts, votre sueur. Vous passez des nuits et des jours priant, agonisant, pour dire que l'enfant doit être en bonne santé et que vous devez faire plus que cela pour le salut. Instruis l'enfant sur la voie ou selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, ce qui est rentré dans le cœur et dans la pensée et avec le sang et avec le cerveau. Regardez, les gens dans l'autre religion, comment est-ce qu'on les instruit? Regardez comment on instruit les autres dans l'autre religion, même dans les soi-disant chrétientés. Dans l'église catholique, regardez comment on les forme dans le catéchisme. Et lorsqu'ils vont grandir, tout ce que les parents leur enseignaient, bien que ce n'est pas la totalité de la vérité, ils tiennent fortement à cette vérité avec ténacité. Qu'en est-il? Pourquoi on a dit que nous avons connu la vérité, l'évangile? Et vous ne pouvez pas faire face à vos enfants. Vos enfants sont devenus tellement difficiles et ils sont plus élevés que vous maintenant et ils vous résistent. Et vous ne pouvez pas leur dire, mon enfant, je suis le responsable de ta venue dans le monde. Sans moi, tu ne serais pas ici. Assois-toi et écoute-moi. Et avec prière, et avec amour, et avec conviction, et avec engagement, avec la consistance, avec le courage, avec la conviction, vous allez amener ces enfants dans l'éducation de la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et que l'Église me dise Amen. Psaume 144, le verset 11. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. Regardez le commencement de ce psaume, c'est le psaume de David. Quand vous regardez à la famille de David, le roi David, le psalmiste d'Israël et celui qui a parlé plus de Dieu et celui qui a eu la confiance en Dieu, vous allez découvrir des choses très très étranges qui se sont produites parmi les enfants dans sa propre famille. Vous connaissez l'histoire. Il y a Amnon qui est là. Il y a un Absalom. Il y a un autre qu'on appelle Adonija. Vous pensez à tous ces enfants. Et David devait prier. Il a dit, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Si vos enfants croissent, grandissent dans leur jeunesse et qu'ils commencent à manifester des traits, vous allez avoir peur. Vous n'êtes pas poussé loin par leur action. Vous savez, les adolescents aujourd'hui, vous regardez comment ils font. Vous êtes toujours le père, vous êtes toujours la mère. Ils sont toujours vos enfants. Et il dit que ma prière et mon éducation, ma formation, mon bon exemple, vous devez vous assurer que vous ayez le désir que vos enfants soient des plantes qui croissent dans leur jeunesse et que nos filles
soit comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Regardez David lui-même, il était un homme que lui-même a été élevé par le Seigneur, par ses parents. Psaume 111, Psaume 111, le verset 5. Psaume 111, le verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Lorsqu'il était né, il a dit dans le péché que ma maman m'a conçu. Il ne savait rien de Dieu, mais ce sont les parents qui l'ont éduqué et qui l'ont formé. Ils ont compris maintenant ce que Dieu peut faire et ce que Dieu est. Et la puissance et le privilège de la conviction et du salut. Il dit que soit tu es mon espérance, Seigneur éternel. Quelqu'un, il dit, en toi je me confie dès ma jeunesse. Quelqu'un l'a formé. Ce sont les parents. Les parents l'ont formé. Il faut croire au Seigneur. Il faut avoir confiance au Seigneur. Il faut te donner au Seigneur. Tu ne peux pas te sauver. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Éducation, l'éducation est bonne. Mais c'est juste pour le pain et le beurre. Mais ça n'amène pas au ciel. Ce qui peut t'amener au ciel, c'est ce salut. Quelqu'un lui a donné cet enseignement. Et il dit, je me suis confié dans le Seigneur de ma jeunesse. Regardez le verset 17. Ô Dieu, il dit, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et mes parents ont commencé cela. Papa, maman ont commencé cela. Et j'ai écouté ta voix. Je pouvais écouter tes instructions et formations. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ça, c'est le témoignage de Dieu concernant, quel est le témoignage de Dieu concernant Abraham? Quelle est la joie de Dieu concernant Abraham? Et quelle est la base de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham? Genèse chapitre 18, nous lisons là le verset 17. Genèse chapitre 18, le verset 17. Alors l'Éternel, est-ce qu'il peut témoigner de vous comme papa, comme maman? Comme il a témoigné d'Abraham ici, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je le connais. Est-ce que Dieu peut-il dire cela pour dire qu'il vous a choisi, qu'il vous connaît? Vous n'allez pas courir, sortir de la maison pendant que les enfants sont en train de dormir. Je vais aller travailler. Vous restez tard au lieu de travail et les enfants sont en train de dormir avant que vous ne sortiez. Ils dorment avant que vous ne reveniez. Et les enfants ne savent rien de vous-même. Lorsque vous venez à l'église, je suis pasteur, je suis ouvrier, je suis leader, vous quittez la maison et vous allez à l'église. La maman, les enfants sont toujours derrière et c'est vous qui venez premier. Et s'ils viennent, c'est bon. S'ils ne viennent pas, ils connaissent la voix de l'église. Et après le culte, vous êtes assis et vous êtes en train de faire le conseil. Les enfants sont partis à la maison et la femme est partie. Et les enfants, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que tout va bien? Ça ne vous concerne pas. Et ils ne témoignent pas de vous. Est-ce que Dieu peut témoigner de vous, comme il le dit ici dans le verset 19? Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Il ne va pas suggérer à ses enfants. Il ne va pas leur faire des suggestions, mais il va ordonner. C'est un commandement. Il va leur donner. C'est une vie de commandement. C'est une conviction qui est ordonnée. Il doit donner son commandement. C'est un commandement qui doit sortir de son comportement. Et il est là pour un sacrifice qui est donné à Dieu. Et il doit donner cet ordre. Ce n'est pas qu'il sera un parent indulgent, un parent qui est tiède, un parent qui n'a pas l'épine dorsale, un parent qui est un parent permissif. Ah, vous savez les enfants, vous savez l'église que je vais, non? Ça c'est ma conviction, hein? Et je suis en train de vous dire, enfant, que hein, dans mon église, on prêche la totalité de la parole de Dieu. Si je ne suis pas sûr de quelque chose, c'est que je sais tout ce qui est dit. Je suis dans cette église, je sais que ça va mener au ciel. Mais vous là, vous voulez aller à quelle église? Pourquoi vous faites comme ça, mes enfants? Ok, c'est pas grave, c'est votre choix, non? Si vous voulez me suivre, je serai content, hein?
Mais si vous dites que c'est un autre lieu que vous voulez aller, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes toujours mes enfants, je vais vous éduquer, je vais vous donner la Bible. Et si vous dites que vous ne voulez pas mon Dieu, mon salut, mon ciel, vous voulez aller de l'autre côté, je vais juste vous voir de l'autre côté. Pas Abraham. Abraham avait un engagement avec Dieu. Et Dieu a dit, je le connais, je sais qu'il va ordonner à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Oui, ce sont ses enfants, ils vont garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous savez, il y a des fois, lorsque votre engagement est dans la congrégation, votre engagement dans l'église peut empêcher la plus grande œuvre que vous avez à faire, c'est-à-dire la formation des enfants pieux. Parce que vous êtes trop engagé aux œuvres de l'église. Vous êtes là, vous allez ici, vous allez là, vous êtes activement dans les activités. Si vous n'êtes pas là, tout va s'écrouler. Si vous n'êtes pas là, tout ne va pas marcher. Et vos enfants sont abandonnés. Vous n'êtes pas là pour vos enfants. Votre fille et votre garçon, vous n'êtes pas là pour eux. Mais vous êtes toujours là pour la congrégation, pour l'église. Abraham n'était pas comme ça. Tout ce que Abraham avait à faire, il s'était engagé et il devait former ses enfants, susciter ses enfants sur la voie de Dieu. Et Dieu l'avait félicité pour cela. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 2. Deutéronome chapitre 4, le verset 2. 4 verset 2. Il nous dit au verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous ne devez pas amener de la doctrine étrangère, ajouter des doctrines erronées à la parole de Dieu. Vous ne devez pas retrancher les choses qui sont importantes dedans, c'est-à-dire ce qui vous dit de renier à vous-même. Moi, je n'aime pas ceci. Je n'accepte pas cette parole-là. Ceci-là, c'est trop dur. Ceci-là, ce n'est pas pour moi. Il ne faut pas retrancher quelque chose et n'y ajoute rien. Regardez le verset 9 maintenant. Regardez le verset 9. Le verset 9. Seulement, prends garde à toi-même. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Enseigne-les. Il ne faut pas laisser le monde enseigner vos enfants. Enseigne-les. Il ne faut pas laisser les faux prophètes enseigner vos enfants. Enseigne-les. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants, spécialement le jour. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Et comme les enfants sont grandis, ils doivent les enseigner la parole. Vous devez les nourrir de la parole. Vous devez faire que la parole habite en eux. Nous considérons Psaume 119. Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vos enfants sont en train de grandir. Nos enfants sont en train de grandir. Mais comment est-ce qu'ils peuvent purifier leur voix? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Ils ont entendu la parole.
qui doit les préparer pour le ciel. Et ils savent que s'ils rétrogradent, Christ peut venir à tout moment. Et ils sont conscients de la venue du Seigneur. Partout où ils sont, dans leur école, à l'université, au collège, au primaire, n'importe où ils sont, en train de s'amuser avec leurs enfants, partout où ils sont. Pendant tout ce temps, ils sont conscients du fait qu'il y a un œil qui voit tout, un œil de Dieu qui les voit et qui écoute, une oreille qui écoute toutes leurs conversations. Ils le savent de l'enseignement que vous leur donnez, que nous disons que le jeune homme doit garder sa voix pure, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Regardez le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Mais vous savez ce que vous faites là, c'est ce que vos enfants feront. Vous les enseignez. Et ils savent que vous n'êtes pas en train de dire, va le faire, comme je le dis, ne faut pas faire comme je fais. C'est tout votre cœur. Vous servez le Seigneur. De toute votre pensée, vous servez le Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'il peut être dit que votre attitude? Il dit, je te cherche, oh mon Dieu. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et maintenant le verset 11, je sais ta parole dans mon cœur. Papa, maman, ta parole, je sais dans mon cœur. Église, membre de l'église, pasteur, dirigeant, je sais ta parole dans mon église. Les jeunes, les adultes, tout le monde, je sais ta parole dans mon cœur. Et partout où vous êtes, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque vous enseignez vos enfants, vous formez vos enfants, vous éduquez vos enfants correctement, ils auront la conscience de la présence de Dieu à tout moment. Et comme Joseph, dans la maison de Potiphar, le papa n'était pas là, la maman n'était pas là. Et lorsqu'il était invité à commettre le péché, il a dit, mais comment je peux faire cela? Je ne peux pas faire ça. Et pécher contre mon Dieu. Les parents lui avaient donné cet enseignement, que pécher contre Dieu amène le jugement. Il a dit ça, moi je ne peux jamais faire ça. Je ne peux pas aller sur ce chemin. Je ne peux pas me détourner de cette façon. Et je ne peux pas me joindre à cela. Je ne peux pas le faire. Ta parole, je sais dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous n'allez pas pécher. Vos enfants ne vont pas aller dans le péché. La foi en vous va demeurer en eux au nom de Jésus. Venons dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée 1, 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Ce n'est pas la foi hypocrite, ce n'est pas la foi prétentieuse, mais ce n'est pas la foi non sincère. C'est la foi grande, la foi vraie. Je me souviens de ça, de ta foi sincère qui est en toi. Toi, Timothée, cette foi habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et également dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La grand-mère avait cette foi, la foi salvatrice. Elle avait transféré cette foi à sa maman, la maman de Timothée qui est Eunice. La foi salvatrice, la foi durable, la foi qui soutient. Et la maman a passé cela à Timothée. Et l'apôtre Paul pouvait dire, tu étais converti avant que je ne te connaisse. Et avant que tu ne te joignes à mon équipe, tu étais déjà sauvé. À travers ta maman Eunice et ton aïeul Loïs. Et je peux témoigner de cette foi salvatrice, cette foi sanctificatrice, cette foi soutenante qui demeure en toi. Jusqu'à ce que cela passe de génération en génération en génération. Chapitre 3, 2 Timothée 3, le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Comment est-ce que nous formons nos enfants? Avec des proverbes locaux, avec des paroles, principes traditionnels, tribales. Est-ce que c'est avec ce que vous avez, ces livres que vous avez, de ces héros, de ces stars, que vous allez les élever selon leurs paroles? Non! Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Sage à salut. Il y a des enfants,
des églises, des enfants des prédicateurs, des enfants des pasteurs, des enfants des dirigeants nationaux et consorts régionaux qui sont complètement contraires à ce qui doit être. Ils sont sages selon le monde. Ils sont sages selon les gens des réseaux sociaux. Ils sont sages selon le fait de faire le mal. Mais dans le cas de Timothée, la maman n'a pas dit, le papa n'est pas en train de m'aider. Le papa me regarde seulement. Est-ce que tu vas faire? Tu vas faire? Laisse le garçon. Laisse le garçon. Qu'est-ce que je peux faire avec un garçon? Hein? Comme le garçon est en train de grandir, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis femme. Qu'est-ce que je peux faire? Mon mari n'est pas en train de m'aider. Mon mari ne fait rien pour que je puisse, pour que l'enfant, la maman, le papa était un païen et la maman était, le papa était un païen, la maman était une juive. Mais elle n'a pas attendu le mari de venir. Les gens qui se plaignent pour dire qu'est-ce qu'ils font dans l'église des enfants, qu'est-ce qu'ils font dans l'église des jeunes, pourquoi mon garçon est comme ça, pourquoi mon garçon est comme ça. Est-ce que c'est eux qui vont éduquer vos enfants pour vous? C'est vous qui devez éduquer vos enfants. Tout ce que votre enfant est devenu, c'est à vous que Dieu va poser la question. Qu'as-tu fait avec cet enfant? Dans le cas de Timothée, depuis son enfance, elle a connu les saintes écritures qui peuvent le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Bien que la maman n'était pas en train d'enseigner la religion, elle enseignait à cet enfant la voie de Dieu qui l'avait amené au salut. Je prie que ce sera ainsi dans chacune de nos familles au nom de Jésus. Et nos enfants vont nous écouter. Je dis nos enfants vont nous écouter. Lorsque nous éduquons nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre et nous faisons qu'ils comprennent que voici la Bible, c'est plus élevé, c'est plus grand, ça a plus d'autorité que tout livre ou toute matière que vous éduquez à l'école, que vous apprenez à l'école. Nous devons les faire comprendre. Et viens, écoute-moi. Les gens dans l'autre religion là-bas, ils amènent leurs enfants à les idolâtriser, à idolâtriser ou à idolâtrer, j'allais dire, leurs livres. On ne dépose même pas leurs livres par terre. Et si quelqu'un faisait quelque chose non sacré avec leurs livres, qu'ils regardent comme un livre d'étude, ils peuvent perdre leur vie en défendant ce livre-là. Ils peuvent faire tout ce qui est même impensable. Et ils vont le faire contre quiconque va souiller leur livre saint. Leur livre saint, excusez-moi. Et lorsqu'ils vont dans leur lieu d'adoration, leur livre, les parents les enseignent que c'est le Dieu qu'ils croient, que c'est ça le Dieu. Voyez-vous comment ils se comportent avec la Bible? Comment est-ce que c'est dans la foi chrétienne? Lorsque nous voyons la parole qui conduit au ciel, que les enfants déchirent cela. Les enfants ne regardent pas la Bible. Les enfants n'ouvrent pas la Bible. Les enfants viennent à l'église, les bras ballants. Ils ne veulent même pas écouter lorsqu'on parle de Dieu. Lorsque la parole leur parvient directement, c'est comme un prédicateur. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu ne dois pas nous parler à nous les enfants. Tu ne dois pas nous parler comme ça. Nous sommes les jeunes, non? Tu ne dois pas nous parler, nous les élèves. Il faut parler à nos parents. C'est eux qui sont les adultes, ils peuvent écouter. Laisse-nous tranquilles, pasteur. Nous sommes venus à l'église. Pourquoi tu es venu à l'église? Tu es venu afin que ce que tes parents t'enseignent à l'église, nous puissions tout faire. Nous puissions tout faire et parfaire tout pour que tu sois un enfant pieux, un enfant sauvé au nom de Jésus, un enfant sanctifié au nom de Jésus. Et vous allez partir avec la lumière du monde, la lumière de l'évangile. Et vous irez briller partout où vous serez, partout où vous irez au nom de Jésus. Et que les enfants me disent Amen. Et que les jeunes me disent Amen. Amen dans vos vies. Je dis Amen dans vos vies. Et que tout ce que vous allez faire, quand vous écoutez la parole de Dieu, le Seigneur va l'accomplir et ira avec vous partout. Vous irez, vous serez un enfant pieux. Vous serez un enfant pieux. Un enfant croissant dans la vérité. Un enfant glorieux. Et les promesses de Dieu seront oui, amen, dans vos vies, dans chacune des vies de nos enfants, au nom de Jésus. Point numéro 3 à présent. Maintenir notre conviction gracieuse. Maintenir. Je vais vous poser une question. Que vous soyez jeune ou adulte, qu'a été votre conviction
des années passées. Vous pouvez dire, ma conviction des années passées, la même conviction j'ai aujourd'hui, depuis que je suis né de nouveau, en 1964, la même conviction j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien que j'avais cru en ce moment, à propos du salut, à propos de la sanctification, à propos de l'engagement, à propos de la consécration, à propos du renoncement à soi, à propos de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien de page à page de la Bible que j'avais cru en ce moment, que je ne crois plus maintenant. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'eau qui ont traversé, qui ont pris par le pont. Ma conviction est toujours là. Il y a eu des persécutions, des souffrances. Ma conviction est restée intacte. Il y a eu des oppositions, des contradictions. Ma conviction est toujours intacte. Que ceux-là qui ont supporté et maintenant ils sont partis loin de moi, ma conviction est toujours là. Ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez en tant qu'enfant de Dieu, c'est que vous devez retenir votre conviction gracieuse sur la parole de la vérité. Nous venons dans 2 Jean 1, verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je t'ordonne, ce que je te demande, Kyria, femme, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Il dit frère, il dit sœur, il dit adulte, il dit tout le monde, la conviction que nous avions eue depuis le commencement doit demeurer avec nous. C'est dans son amour que nous devons marcher selon ses commandements. Voici le commandement, c'est que tel que nous vous avez écouté dès le commencement, vous ne devez pas changer. Ce que nous avons écouté dès le commencement, faut pas changer, faut pas essayer de diluer cela, compléter cela. Ce que nous avons entendu dès le commencement, nous devons marcher selon cela. Vous pouvez voyager à l'extérieur, vous pouvez aller partout, partez avec la parole. Vous pouvez avoir un nouveau travail, partez avec la parole. Vous pouvez aller ou voyager sur le village, partez avec la parole. Vous pouvez aller dans la ville, partez avec la parole. Vous pouvez être avec vos parents, partez avec la parole. Depuis que vous avez connu ce type de commencement, continuez avec ça. C'est ce que nous aimions. Et lorsque vous êtes dans le temps de récession, restez avec la parole. Le temps de la famine, restez avec la parole. Vos fils et vos filles, restez dans la parole. Et si c'est que quelque chose de nouveau est arrivé, vous êtes content, vous êtes vraiment content, excité, restez dans la parole. Ça peut être au moment de la souffrance, moment de la tristesse, ça peut être au moment de la maladie, ça peut être au moment de où les gens vous abandonnent, où les gens vont vous dire, est-ce que tu vas continuer de demeurer comme ça? Tu vas continuer de faire ceci, les autres ont eu ce problème, et lorsqu'ils ont eu ceci, ils ont eu ceci, ils ont essayé, ils n'ont pas pu faire, ils ont fait ceci, le changement est venu. Tu peux demeurer, tu veux demeurer, faut écouter, tu dois rester. Pour beaucoup, quand il dit, et quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Christ, que Jésus-Christ est venu en chair, celui qui est tel est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même. Beaucoup de personnes se lèvent et ils parlent de l'écrit de Christ. Ils parlent de sa foi, ils parlent de sa naissance. Est-ce que c'est le même Jésus? Je ne sais pas. Et c'est celui qui est mort à la croix du calvaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Christ et le Jésus? Je ne sais pas. Et qui est celui qui est reçu des morts? Je ne sais pas. Faut pas permettre à ce qu'il y ait de confusion. Jésus-Christ est venu en chair. Il a mené une vie parfaite en tant qu'un homme. Et il est mort pour nos péchés parce qu'il n'a jamais péché. Et il a ressuscité le troisième jour. L'antichrist va dire quelque chose de différent. Il faut demeurer dans la parole que tu as écoutée dès le commencement. Regarde toi-même. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail.
prenez garde pour que vous ne prêchez pas en vain. Prenez garde pour que vous ne œuvrez pas en vain. Prenez garde pour que vous ne veniez pas au service, à l'adoration, et vous allez faire tout ceci en vain. Prenez garde pour que toutes les consécrations, les sacrifices que vous faites, tout ce que vous faites ne soit en vain. Gardez-vous, prenez garde afin que ces choses que vous avez ne soient perdues, et vous allez recevoir une pleine récompense. Je prie que votre récompense soit grande. Vous aurez la récompense quand vous demeurez dans la vérité, dans la totalité de la parole de Dieu. Quand vous demeurez dedans, le Seigneur vous gardera votre récompense intacte. Tout ce que Et dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si vous devez garder votre conviction, vous devez exalter la parole de Dieu au-dessus de tout homme, au-dessus de toute autre femme. J'espère que votre femme ou votre mari ne demeure pas dans la vérité. Mais si cela arrivait, que votre mari disait, moi j'ai reçu un nouvel évangile, j'ai vu une autre voie, j'ai connu la voie étroite qui conduit au ciel, mais il dit maintenant, je veux établir ceci maintenant, et toi tu es ma femme, nous sommes ensemble dans la vérité, nous sommes ensemble si tu demeures dans le salut, nous sommes ensemble si tu demeures dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu es loin de la vérité, que tu deviens un trompeur, tu deviens un antichrist, ne sommes plus ensemble. J'ai dit nous ne sommes plus ensemble. Je n'ai pas entendu l'église dire amen. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le mariage est la première chose dans leur vie. Ils exaltent le mariage au-dessus de tout, même leur salut. Ils exaltent le mariage au-dessus de leur sainteté. Ils exaltent le mariage au-dessus d'aller au ciel. Et ils disent, le mariage, waouh, très, très délicat, le mariage, je vais garder, le mariage, je vais veiller sur ça, ma famille, ma femme, mon mari. Hein. Et la femme, elle ne veut pas, ne va pas faire quelque chose qui va détruire son mari. Mon mari, ma femme, ne fais pas ça, c'est ma femme, c'est mon mari. Si tu veux demeurer ici, la sanctification, la sainteté, ça c'est ton choix. Moi, je vais sur mon chemin, je vais dans la liberté. Et le mari va dire, oh, c'est comme ça, je ne vais pas te laisser tranquille, hein. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, hein. Alors nous sommes ensemble, hein. Nous sommes ensemble dans l'enfer, ensemble dans l'erreur, ensemble dans la fausse doctrine, ensemble dans la rébellion contre la parole de Dieu. À Dieu ne plaise. Je dis à Dieu ne plaise. Vous savez, moi j'étais si chanceux et fortuné que je suis devenu un délivreur avant d'aller au collège, à l'université, avant que je ne devienne un diplômé, avant que je ne me marie, avant que je n'aie ajouté quoi que ce soit à ma vie. Alors cette chose que j'ai reçue, avant que toutes ces autres choses ne viennent, toutes ces autres choses qui sont venues après, il ne vaut pas m'arracher ce salut que j'ai reçu afin même que tout ça se soit. Qu'en est-il de vous? Je demande, qu'en est-il de vous? Il y a des gens qui donnent à leur femme la place de Dieu. Ils font de leur mari leur Dieu. Elles font de leur mari leur Dieu. Et le mari est d'accord, la femme est d'accord avec ça. Oh, toi mari, tu fais de moi ta femme ton Dieu, et tu fais de moi numéro 1, et tu fais de Dieu numéro 2. Oh, honte à vous, telle femme. Tu ne veux pas que ton mari fasse de toi. Tu ne voudrais pas que ton mari fasse de toi un dieu, une déesse. Est-ce que ta femme t'aime? Si elle t'aime vraiment, Dieu doit être numéro 1 dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? C'est comme ça que vous devez garder votre conviction. Que le certificat, le diplôme ne doit pas vous arracher votre conviction loin de votre cœur. Le mariage ne doit pas vous arracher votre conviction loin de votre cœur. Et est-ce que j'ai des amis? Des amis, j'étais un amoureux des mathématiques avant d'être né de nouveau. J'avais étudié. Est-ce que j'avais des amis? Les seuls amis que j'avais, nous allions à l'église des Boubous Blancs avant. Et lorsque j'ai connu la vérité et je me suis attaché à la vérité,
Si je disais, je saluais mon ami, bonjour, il ne me répondait pas. Mais qui est-ce qui veut quelqu'un qui ne croit pas la parole de Dieu? Si on ne voulait pas prendre la parole, rien ne va vous prendre la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il dit, quiconque, qui que il soit, quiconque transgresse et qui va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Vous voulez que votre ami ou quelqu'un qui n'a pas Dieu vienne vous dicter la loi? Celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Dieu, il n'a la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, la totalité de Christ, de notre rédemption jusqu'à notre glorification, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous ne serez pas un participant aux mauvaises œuvres au nom de Jésus. Nous allons demeurer dans la vérité. Vous allez retenir la vérité. Vous allez tenir dans la vérité. Dans Psaume 119. Psaume 119, le verset 30. Psaume 119, verset 31. Je choisis la voie de la vérité. C'est un choix. Vous devez choisir, vous devez décider vous-même. Vous devez prendre la résolution que c'est ce qui peut m'amener au ciel. Et le ciel, c'est pour l'individu. Ce n'est pas pour le public, ce n'est pas une chose corporative. Non, nous sommes en corporation, nous irons au ciel ensemble. Non, jamais, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes né dans ce monde seul. Vous êtes né dans le royaume de Dieu tout seul. Et vous allez entrer dans le royaume de Dieu tout seul. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Vous allez tenir sur la vérité. Vous allez demeurer dans la vérité. Et rien ne vous arrachera cette vérité au nom de Jésus. Vos amis ne vont pas vous arracher la vérité. Vos compagnons ne vous arracheront pas la vérité. Votre époux ne va pas vous arracher la vérité. L'ouvrier chrétien ne vous arrachera pas la vérité. Il y a des gens, ils ne savent pas que les apôtres aussi rétrogradent. Judas Iscariote était parti, non? Il y a des gens qui ne pensent pas, ils ne savent pas que les ouvriers rétrogradent. Les vies profondes aussi rétrogradent. Alors ainsi, s'il est apôtre et l'apôtre leur dit quelque chose et ils voient que la chose est contre la parole de Dieu, ils vont dire, ah, c'est un apôtre, il faut que je suive. Un ouvrier, un Démas comme ouvrier, leur disait quelque chose contre la parole de Dieu, ils vont dire, ok, c'est pas grave, il est un ouvrier aussi, non? Ils vont suivre la personne. Nous n'allons pas suivre un apôtre, nous n'allons pas suivre un ouvrier rétrograde. Vous n'allez pas suivre un apôtre rétrograde. Vous allez tenir sur la parole de Dieu tout durant votre vie au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que nous recevons la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes. La parole du salut, ce n'est pas la parole des hommes. La parole de la sanctification, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ce n'est pas la parole des hommes, et la parole de la puissance de Dieu qui va sauver et rester dans le chrétien, ce n'est pas la parole des hommes. Vous l'avez reçu, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Aussi longtemps que vous croyez la parole de Dieu, cette parole de Dieu va œuvrer en vous. Cela va vous donner de l'énergie à œuvrer dans la vérité, vous donner de l'énergie à marcher dans la vérité, vous soutenir à marcher dans la vérité, et votre conviction va demeurer et rester au nom de Jésus. Beaucoup d'années passées maintenant. Ah.
Un journaliste était venu de l'Angleterre et il voulait écrire un livre à propos de la vie profonde. Et il nous a posé des questions ici au siège international et il est allé, il est retourné. Et il est allé dans les États au nord, il est allé au sud et il a adoré avec les gens un peu partout. Les gens ne savaient pas qu'il était un journaliste, il était en train de faire de l'enquête. Il était en train d'écrire. Lorsqu'il est revenu, il a dit, toutes les églises qu'il avait fréquentées dans les États, toutes les églises qu'il avait visitées, même dans des lieux ruraux, ou des lieux ruraux, ils se sont tenus sur la parole de Dieu. Et que ces gens-là, ils ont la conviction. Vous aurez la conviction. Si cela apparaît, que beaucoup de gens loin ont cela, même les gens en dehors du Nigeria, ils ont reçu la parole et ils ont reçu de tout leur cœur après le message. On m'a dit, les gens ont prié jusqu'à ce que le message pénètre dans leur cœur. Si cela leur arrive en dehors là-bas, à combien plus forte raison cela va nous arriver ici au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que reçoit la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Ce que vous avez fait, vous avez entendu de nous, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Est-ce que vous croyez? Je demande, est-ce que vous croyez? La parole va agir en vous. Point numéro 3 maintenant. Ramener les compromettants coupables errant loin de la vérité. Il y a des gens qui errent. Ils errent loin de la vérité. Ils errent loin de la vérité. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui leur arrive? Regardez Proverbe. Proverbe 21. Chapitre 21, le verset 16, il dit, l'homme qui s'égare, qui s'écarte du chemin de la sagesse, reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, le chemin de la vérité, et il rentre dans l'erreur. Celui qui quitte le chemin de la vérité, le chemin du salut, et qui s'écarte de sa vie, de son péché, et qu'il maintenant dit, oh, que tout le monde ne peut pas être libre. Personne ne peut pas être libre du péché. J'ai essayé, et je n'ai pas pu être libre du péché. Maintenant, je voudrais sortir de l'immoralité. J'ai tout fait, mais je suis tombé encore. Personne ne peut être libre. Il s'est écarté, et il est allé dans le désert du péché. Maintenant, il va reposer alors dans l'assemblée des morts. Je prie que cela ne vous arrive point. Mais si cela est déjà arrivé, vous allez revenir. Vous allez revenir dans la vérité et vous allez revenir sur la voie de la justice. Jérémie, chapitre 14, le verset 13. Jérémie, chapitre 14 et le verset 10 plutôt. Il dit, voici ce que l'Éternel dit à ce peuple, ou dit de ce peuple, ils aiment à courir ça et là. Ils ont quelque chose qu'ils doivent retenir, embrasser. Ils aiment à aller ça et là. Ils écoutent la parole, mais ils ont des oreilles de démangeaison. Ils aiment ça et là. Ils sont proches du salut. Et avant qu'ils ne reçoivent ce salut, ils courent ça et là. Ils vont dans les lieux de tromperie. Ils étaient en train de chercher la sainteté. Et oh, ils étaient sur le point parce qu'ils croyaient que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et un moment après, quand nous parlons de sainteté, sainteté, ils ont prié. J'ai prié l'autre jour. J'ai prié encore maintenant. Mais regardez-moi maintenant. C'est que voilà cette semaine encore ce que j'ai fait. Oh, ils courent ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. Ils courent ça et là. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ces gens qu'ils aiment, Dieu ne les accepte pas. Comme ils sont. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Je prie
que cet esprit d'errance, que le Seigneur l'enlève loin de vous au nom de Jésus. Amos, c'est dans l'Ancien Testament, hein, Amos, je voudrais lire là le chapitre 8 et le verset, Amos 8, le verset 11. Amos 8, le verset 11. Amos 8, 11. Il dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette, c'est-à-dire la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. La famine de l'entente ou de l'écoute de la parole de Dieu. » Vous savez, ces gens ont le privilège avant. Ils ont eu le privilège avant d'écouter la parole de Dieu. Mais finalement, ils ont perdu cela. Ils ont méprisé la parole. Et la famine est venue sur eux. Pensez à certaines dénominations. La dénomination que John Wesley avait établie avant de partir. Ça, il avait copieusement mis ça en place. La parole coulait là-bas. La parole était là-bas complètement. Mais regardez cette parole aujourd'hui. Mais regardez cette église aujourd'hui. Aujourd'hui maintenant, la sanctification, quelle la doctrine, l'emphase, que la prédication même de cet homme, John Wesley, ils sont partis. Pensez à l'armée de salut. Pensez à quelqu'un qui était un choriste de Dieu, qui croyait en la parole de Dieu, la parole de salut, et il courait derrière les saints, les pécheurs, il les tirait du péché et les amenait dans la foi. Et si vous connaissez le fondateur de cette religion, vous allez voir que l'armée du salut, tous ceux qui sont là peuvent aller en enfer pour voir ce qu'ils ont souffert et revenir. Et l'évangélisation allait occuper toute leur vie, tout le temps de la vie. Mais regardez ce que l'armée du salut est devenue aujourd'hui. Ils font ceci, ils font cela, ils en face aujourd'hui n'est plus le salut. Regardez les églises pentecôtistes d'aujourd'hui qui croient en la nouvelle naissance et la sanctification, être remplis du Saint-Esprit. Et ils croient en la vie de Dieu, mener la vie de Dieu. Mais regardez beaucoup de ces congrégations pentecôtistes charismatiques dans notre pays et au-delà de nos pays, dans notre continent et au-delà du continent, tout est devenu autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Tout ce qu'on dit maintenant, c'est l'argent, la prospérité. La parole de Dieu n'est plus là. Et le Seigneur est en train de dire qu'il y aura une disette, et la faim du pain et de la soif. Verset 12, ils seront alors errants. Ils seront arrosés d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. C'est ce qui arrive aux errances, à l'errance. Et vous ne serez pas un erré. Vous ne serez pas un erré de la parole de Dieu au nom de Jésus. Ils errent loin de la parole de Dieu et vous ne serez pas ici au nom de Jésus. Nous allons demeurer dans la parole. Moi, je demeurerai dans la parole. Non seulement dans la tête, hein, mais dans le cœur. Et la parole va œuvrer avec moi et travailler avec justice. Et la parole de sainteté, la parole va œuvrer ainsi au nom de Jésus. Jacques, chapitre 5, Jacques, chapitre 5, verset 18. Jacques 5, 19. Jacques 5, 19. Jacques 5, 19. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, il n'est plus scellé, il ne se tient plus à la vérité. Si quelqu'un s'égare loin de la vérité, il était dans la vérité du salut, il s'est égaré, il a erré, il est parti, il était dans la vérité de le renoncement à soi, la discipline de soi, il est parti, il s'est égaré, il était dans la vérité de la sanctification. Et il s'est égaré, il était dans la vérité d'un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il s'est égaré, loin de là, il était dans la vérité, pas de divorce, pas de séparation. Lorsqu'on s'est marié, mais il s'est égaré, loin. J'ai lu un livre particulier et ce livre m'a dit que si je ne suis pas content avec mon mari, je ne suis pas content, il y a des problèmes à la maison qu'on ne peut pas résoudre. Ils ont dit que Dieu a donné la liberté de jeter cet homme et de fuir cet homme, de se séparer de cet homme et d'aller épouser celui que je veux. Parce que tu es toujours pour le ciel,
Ils se sont égarés de la vérité de la parole. Je prie que Dieu vous préserve dans la vérité au nom de Jésus. Si quelqu'un parmi vous est loin de la vérité, s'égare loin de la vérité et que l'autre l'y ramène, ramenez-le dans la vérité, ramenez-le dans le salut, ramenez-le dans la sanctification, ramenez-le dans la soumission totale et l'abandon total à la parole de Dieu. Ramenez-le et que quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, le Saint va convertir le pécheur. Donnez-moi un bon amen. Le pécheur ne peut pas convertir un saint ou un pécheur. Je dis le pécheur ne peut pas convertir le saint. Quelqu'un est-il là? Il veut être mon ami. Il a un objectif, un but. L'homme là, il est trop strict. L'homme, il est totalement pour la Bible. La Bible a tout dévoré. Son cerveau est dévoré par la Bible. La Bible a occupé son cœur. Je veux changer cet homme. Et je ne serai plus son ami. Je vais l'aimer. Je serai gentil envers lui. Et mon ami avec lui, et mon amitié avec lui, va le convertir de la vérité pour l'erreur. Et je vais faire qu'il va devenir moindre. Il va devenir moribond, tiède. Église, vous dites quoi? À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Un ami, une femme, un homme qui va venir dans ma vie, qui va venir aux dernières heures de ma vie après que j'ai tenu à cette parole pendant toutes ces dizaines d'années et ces années, qui va venir pour dire que nous allons dire la parole de Dieu dans sa bouche, nous allons dire la parole dans sa vie. Le Seigneur va envoyer le feu envers ces gens. Le Seigneur va les envoyer loin de moi au nom de Jésus. Vous avez retenu la parole de la vérité toutes ces années depuis que vous êtes venu dans cette vie profonde. L'église biblique de la vie profonde, vous êtes venu ici. Y a-t-il un pécheur dans votre bureau? Un pécheur dans votre famille? Un pécheur dans votre communauté? Qui va dire, je vais la voir, je vais m'approcher d'elle et je vais diluer, je vais laver tout ce qu'il a reçu de ce lieu à Dieu ne plaise dans votre vie. Quel que soit ce qu'il va vous donner, quel que soit ce qu'il va vous offrir, que Dieu les sépare loin de vous au nom de Jésus. Ils ne vont pas vous convertir. Votre conversion est déjà en forme. Vous êtes converti en Christ, converti en Jésus, converti en Dieu, converti pour le ciel, converti pour le bon. Cette conversion est bonne. C'est déjà assez. Il n'y a plus autre conversion que vous allez avoir loin pour retrouver dans les ténèbres au nom de Jésus. Mais maintenant, vous devez être un instrument de conversion pour les pécheurs. Un instrument, un outil de conversion pour les rétrogrades au nom de Jésus. Frère, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité et que quelqu'un l'y ramène, que celui qui ramène sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le Seigneur va vous utiliser. La parole dans votre bouche va convertir et restaurer les rétrogrades. La parole dans votre bouche va ramener la ferveur et le zèle dans la vie de ceux qui sont tièdes au nom de Jésus. Le Seigneur vous a suscité. Vous n'allez pas tomber. Et tous ces gens qui sont tombés sur le chemin, le Seigneur va vous donner le feu, le zèle, la puissance, le courage, l'épine dorsale de vous tenir debout et de les soutenir au nom de Jésus. Vous allez aller au ciel. Tenez-vous sur la parole, vous irez au ciel. Nos enfants iront au ciel. Nos jeunes iront au ciel. Nos étudiants iront au ciel. Papa et maman iront au ciel. Nos pasteurs viront au ciel.
Où êtes-vous? Je parle à quelqu'un là-bas. Je dis, où es-tu? Où es-tu? Tu iras au ciel. Le ciel là, 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 t'as ton but. Tu iras là-bas au nom de Jésus. Ouvre la bouche et commence par parler à Dieu. Oh Seigneur, je ne suis pas le bois pour le feu. Je ne suis pas un candidat pour l'enfer. Et tu n'es pas un étranger qui va courir pour aller en enfer. Tu iras au ciel. Mets ta main à la charrue. Tu vas aller au ciel. Garde tes yeux sur Jésus. Tu iras au ciel. Garde tes yeux sur la Bible. Tu iras au ciel. Garde tes yeux sur la vérité. Garde tes yeux sur la vérité. Garde la vérité. Tiens-toi la vérité. Ô jeunes, adultes, enfants, papa, maman, prédicateurs, membres, tout le monde, tenez-vous sur la vérité. Jusqu'à ce que nous entrions au ciel. Rien ne va vous arracher loin de ce sentier qui mène au ciel au nom de Jésus.